Bonjour à tous et bonsoir à tous, tout dépend de votre position. Bienvenue sur ma capsule. Aujourd'hui, on va parler d'un légume racine que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est l'igname. Pour les anglophones, c'est le yam. L'igname, c'est une tubercule qui pousse en Afrique, en Asie aussi, et il faut savoir que même en Amérique aussi, hein, ça pousse. Donc, l'igname est vraiment une tubercule qui permet de pallier à beaucoup de beaucoup de maux que je vais voir maintenant avec vous en quelques minutes. Alors, l'igname, c'est vraiment une tubercule que vous pouvez manger bouillie, cuit, donc cuit, c'est-à-dire frit, hein, comme sous forme de frites, ou vous pouvez le mettre au four aussi, hein. Au four, c'est mieux. Hein. Au four ou bouilli, c'est mieux pour la santé que frit-frit. Avec l'huile, c'est bon, de temps en temps, vous pouvez le faire, mais je vous déconseille de le faire tout le temps. Mais sinon, dans tous les cas, l'igname, vraiment, c'est la tubercule recommandée. Et elle contient, c'est une tubercule qui contient la vitamine C, la vitamine B, manganèse, calcium, phosphore. Donc, c'est vraiment une tubercule qui est excellente pour la santé. Ça vous permet de pallier à beaucoup de choses. Les diurétiques et purifiants. Il renforce le système immunitaire. Il augmente la fertilité de la femme. C'est une source d'énergie pour les sportifs et c'est aussi permet de contrôler les symptômes de la ménopause. Et oui, mesdames, celles qui ont la quarantaine, cinquantaine, la ménopause est là, ou les symptômes sont là en tout cas. N'hésitez pas à consommer de l'igname. Et en plus, ce qui est bien, c'est dans l'igname, c'est que c'est vraiment pas du tout calorifique. C'est riche en glucides. Il y a de l'amidon, certes, mais c'est, on va dire, vraiment la tubercule qui regorge beaucoup, beaucoup d'éléments. Qui sont très bons pour la santé. On a des fibres dans l'igname, bien sûr, d'où la consommation hein, que je recommande vraiment. Pour les diabétiques, en plus, c'est excellent car ça permet de baisser l'indice glycémique du diabétique et ça vraiment permet à la personne de pouvoir stabiliser son diabète. En gros, retenez que l'igname est à consommer. Si vous ne l'avez pas encore pensé, allez-y, consommez l'igname. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est facile. On le trouve dans les marchés ou en grande surface. En Occident aussi, on le trouve hein, dans les magasins spécialisés exotiques. C'est accessible en tout cas, on va dire, dans le monde entier. On s'en procurer sans problème. Merci de m'avoir suivi. En tout cas, c'était une petite capsule pour parler de l'igname, qui est une tubercule vraiment légume racine très très bon pour la santé. Pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir un accompagnement sur comment utiliser l'igname, comment le préparer, ou n'hésitez pas. Vous avez mes contacts qui s'affiche sur cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je propose aussi également des coachings, des accompagnements d'une heure pour vous aider à mieux manger. À bientôt pour la prochaine. Au revoir.